Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Je disais donc la danse américaine à l'honneur en ce moment à Paris et notamment à l'Opéra de Paris. Avec d'abord ce spectacle et ce jeune chorégraphe Justin Peck, chorégraphe et danseur. Là, c'est une création, ça s'appelle Entre chien et loup sur la musique de Francis Poulenc. Mmh. Puis dans la même soirée, c'est donc ça à Bastille, sur la scène de Bastille. Un des maîtres du jeune Justin Peck, c'est Georges Balanchine, d'origine russe, mais grand maître américain du ballet néoclassique, avec ce ballet qui date de 1966, mais qui n'avait jamais été présenté à l'Opéra de Paris. Ça s'appelle Bram Schoenberg Quartet. Je vous en propose quelques secondes. Et puis, on va passer à un autre chorégraphe américain, lui aussi invité à l'Opéra de Paris, c'est William Forsythe. Oui, bien vivant, 66 ans. D'ailleurs, on peut le croiser même à la cantine, à l'Opéra Garnier, figurez-vous, où il était jeune, au milieu des danseurs, invité de l'Opéra de Paris à la fois en cette fin de saison et en début de saison prochaine. Ça, c'est à Garnier. Vous savez, il y a deux scènes à l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille, avec notamment cette création sur cette musique électronique signée James Blake. D'ailleurs, ça s'appelle Blake Words One, c'est jusqu'au 16 juillet. Et en fait, on doit ce fort accent américain dans la programmation de l'Opéra de Paris au passage furtif de quelques mois de Benjamin Millepied, chorégraphe français, mais très marqué par la danse américaine. Et donc il y a des ballets, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une belle exposition en ce moment à l'Opéra de Paris sur les chorégraphes américains qui ont travaillé à Paris. Ah oui, à l'occasion de ce foisonnement sur scène, également à l'Opéra Garnier, mais côté expo, avec cette expo qui va passionner les fans de ballet, mais tout le monde, il y a beaucoup de visiteurs chaque jour dans ce bâtiment de Charles Garnier. 70 ans de lien entre l'Opéra de Paris et les chorégraphes américains, alors ça va... De Balanchine qu'on évoquait à Jérôme Robin, vous savez, le chorégraphe de West Side Story, grand maître du ballet néoclassique également. Et Gene Kelly, vous voyez, Gene Kelly, par exemple, on ne le sait pas forcément, mais il a eu une commande de l'Opéra de Paris. Et puis il y a des noms comme Merce Cunningham, Caroline Carson, à voir donc ses vidéos, ses maquettes, ses costumes, ses photos pour découvrir ces échanges artistiques des deux côtés de l'océan Atlantique. Je vous propose de prolonger la visite avec les deux commissaires, avec deux des commissaires de l'expo. Cette danse américaine à l'Opéra de Paris, elle s'est imposée dans le répertoire du ballet parce que ça s'est fait de manière très progressive, puisqu'il a fallu effectivement à la fois éduquer les danseurs, les ouvrir à ces styles nouveaux, modernes, et puis aussi le public qu'il fallait préparer un petit peu à cette programmation qui changeait des grands ballets classiques tels qu'on pouvait les programmer à l'époque à l'Opéra. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on est dans des œuvres qui sont à mi-chemin entre le document d'archives et l'œuvre. Vous avez vu les dessins de Léonore Fini, de Lacroix. Ce sont des dessins qui ont été utilisés, qui ont été dessinés par un artiste et qui sont ensuite utilisés par les ateliers de couture. C'est pourquoi vous pouvez remarquer sur certains des échantillons de tissus qui servent à se mettre d'accord entre le dessinateur du costume et l'atelier de couture qui réalise les costumes in fine. Alors, des chorégraphes américains à l'Opéra de Paris et aussi une grande compagnie américaine qui est à Paris en ce moment, la New York City Ballet au Théâtre du Châtelet. Théâtre du Châtelet à Paris, absolument. En fait, c'est les étés de la danse. Chaque année, une grande compagnie qui est invitée. Mmh. Et cette année, donc, l'une des plus grandes compagnies américaines, le New York City Ballet, avec là aussi beaucoup de néoclassiques. Georges Balanchine, dont on parlait, Jérôme Robbins. Ici, c'est Balanchine avec... Bizet, symphonie en do, symphonie in si. Là aussi, il reste quelques places d'ailleurs sur les dernières dates. Et à tous les spectacles, elle est là sur scène, Indiana Woodward, toute jeune danseuse franco-américaine. Elle est dans le corps de ballet depuis 4 ans. Elle est donc là pour un mois dans la ville où elle est née. Fière et heureuse, nous l'avons rencontrée. Toutes les compagnies sont magnifiques, mais j'aime beaucoup à New York City Ballet parce que ça donne une sensation de... Tu peux juste danser, c'est très libre, je trouve. Et toutes les choses qu'on danse, c'est des choses Balanchine ou des morceaux nouveaux, des chorégraphes comme Justin Peck qui est dans la photo.
Il y a Rat Mansky et Christopher Wheeldon. Et c'est très libre et on fait les choses différentes. On fait les spectacles classiques, mais aussi on fait des choses modernes. On fait des choses dans les chaussures de pointe, mais aussi dans les pieds nus ou dans les chaussures avec des petits talons. Il y a West Side Story où on chante des fois. C'est très différent. Merci Jean-Baptiste, à bientôt. Demain, on retrouvera Estelle Martin à Avignon.